Bonsoir, mesdames, messieurs, bienvenue sur Twitch. Ça fait plaisir à entendre ce générique made by Etlomega. Voilà, bienvenue, bonjour à tous, bon week-end à tout le monde. Bienvenue sur le chat, bienvenue sur Twitch, bienvenue sur la planète Terre. Hein. On se retrouve ce soir, peut-on dire que c'est le soir, il est 17h passé. Moi je dirais non, moi je dirais bonjour, mais vu qu'il fait sombre, j'ai l'impression qu'il fait nuit. Bref. Il faut pas m'en demander beaucoup, hein. J'espère que ça va. On va se faire une petite course comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait. Ça fait longtemps qu'on s'était pas retrouvé ensemble sur Twitch. Il me semble que c'était en juillet la dernière fois. Donc deux mois. Bon, après vous commencez à me connaître. Hop, la caméra un peu plus comme ça. Je pense que c'est mieux. Ok, très bien. Installez-vous bien. Bienvenue sur le chat. On va vivre ensemble une course particulière. Vous savez, je me suis amusé l'autre jour sur Factor 2, j'ai pris une Porsche Super Cup sur Le Mans. Donc c'était le cas, hein, cette année en course support pour les 24 heures du Mans, il y avait également la Porsche Super Cup. J'ai voulu essayer, j'ai adoré, je me suis pris une bonne bataille pendant une demi-heure, je me suis dit ça va peut-être falloir que je fasse en live, et j'espère que aujourd'hui on aura une aussi belle bataille et une aussi belle course à vivre ensemble. Normalement, vous devrez commencer à entendre le son du jeu d'Air Factor 2. On se retrouve là-dessus. Bienvenue à tous. Et j'espère, évidemment, que ça va être un moment sympathique. Ah, passons directement au setup. Hein. On va voir. Normalement, ça devrait être plutôt bon pour vous. On est sur les réglages de la dernière fois, on va vérifier les dernières choses. Voilà, qualif, on est à 20 minutes, 30 minutes de course, voilà, ça ira très bien, je pense. Il y aura une vidéo sur le Grand Prix du Mexique. Peut-être, je ne sais pas, peut-être, oui, certainement. C'est quand même un Grand Prix important, le Mexique. Donc oui, peut-être qu'il y aura le Mexique dans pas trop longtemps. Bref, bah écoutez, on va directement faire charger tout ça. Contrôle au niveau des réglages, tout va bien, magnifique. Et on s'envole directement vers les horizons, des horizons sartois pour une petite course d'exhibition. J'ai envie de refaire un championnat sur Twitch, comme j'avais fait avec le GT3 World Tour. Je suis en train de réfléchir à comment faire, quel concept faire, quelle catégorie, tout ça, donc... Feras-tu d'autres courses en carte avant la fin de la saison? Ouais, oui. Normalement, il nous reste deux courses, au moins deux courses avec l'équipe. Ouais, en plus, j'étais pas loin de chez toi, mon petit POC, le week-end dernier, à Espoy. Mais voilà, non, c'est prévu. Aujourd'hui, le safety car fête ses 50 ans. C'est vrai, Grand Prix du Canada 1973, ça a foutu, hein, bordel, quand même. Il fallait une première atout, je vous redirige si jamais vers ma vidéo que j'ai faite sur la safety car pour en apprendre davantage. Mais oui, c'est effectivement, ça fait 50 ans que cet outil existe. Avec Bernd Mailander comme pilote le plus capé pour ce qui est de la safety car en Formule 1 et même pour ce qui est des Grands Prix de Formule 1. Mais le monsieur, il a manqué que deux courses depuis 2001, donc voilà. Tu as regardé le film Gran Turismo au cinéma? Pas encore! Et puis je pense, vu comment c'est parti, que je vais attendre qu'il soit disponible en streaming à la maison pour le regarder. Voilà.
sera toujours moins cher que de payer une place de cinéma à 12 euros. Mais non, j'ai pas eu la motivation nécessaire, peut-être que je l'aurai, mais j'ai pas eu la motivation nécessaire pour faire le déplacement. Je suis depuis 2020 sur YouTube, mais c'est seulement la première fois que je viens sur ton Twitch. Eh bien, bienvenue. Bienvenue. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Comment ce film, c'est une tuerie? Je me méfie. Je me méfie toujours des films sur le sport automobile. Je me méfie toujours. Je suis très exigeant. Donc, je verrai. Je vais voir. Ah, on va arriver au Mans. Alors, pour ce qui est du ressenti, pour ce qui est du ressenti sur les Porsche Super Cup, c'est approximatif. J'ai pas assez roulé, j'ai roulé 20 minutes avant de reprendre. Parce que quand je vous dis que j'ai fait une course, c'était il y a quelques semaines. Hein, donc entre-temps, j'ai pris le volant d'autres voitures. Effectivement, c'est toujours un peu délicat. Donc il va falloir servir des qualifications, des 20 minutes de qualification pour trouver des repères. Bon, écoutez. Eh bien, on va partir. On va d'abord faire les petits réglages pour ce qui est du son. Normalement, ça devrait être pas trop mal. Écoutez, je vais monter un peu plus le son du jeu. Pour les qualifications, on va descendre un peu le niveau de carburant parce que là, on part pour 20 minutes d'affilée. Hein. Vous me dites si c'est assez fort, pas assez fort, si je monte le son. J'attends vos retours. Qu'est-ce que je voulais faire? Oui, on enlève ça. Hein. Et on est parti. Je vais enlever ça parce que du coup ça me fait un double écran assez désagréable. Voilà. Je parlais à mon double screen. Et allez. Alors les Porsche, ce sont des voitures assez délicates à piloter, assez vicieuses, qu'elles demandent, attention, les GT de manière générale demandent beaucoup de transferts de masse, et les Porsche sont très particulières, très sensibles, et les Porsche Super Cup, par rapport au GT3, n'ont pas spécialement beaucoup de comment dire, le mordant dans le frein, c'est pas le même, c'est un peu plus léger sur les Super Cup, enfin sur les Cup. Et ensuite, il faut beaucoup jouer sur le transfert de masse. C'est très très léger à l'arrière, sachant que le Mans est un circuit où tu as besoin de vitesse de pointe. Tu peux pas avoir des murs à l'arrière. Donc c'est assez délicat. Donc référence de chrono, je dirais que 4 minutes 2 secondes, c'est à peu près la fenêtre cible.
J'ai de légers ralentissements. Allez. La boîte, elle n'en peut plus. Putain. Thank you.
Il est chaud lui devant. Mika Stanley. Allez. C'est un bon premier secteur. Larry Tenvord en pole position.
C'est un beau tour. C'est un beau tour, mais du coup, je vais faire un truc. Du coup, je vais faire un truc. Je partirai cinquième, mais je vais monter le niveau d'un cran. Parce que là, coller une seconde, ça fait un peu beaucoup quand même. Donc ouais, on va monter le niveau et je vais peut-être baisser les performances graphiques, comme ça sera encore plus fluide, ce sera mieux pour tout le monde. Un petit tour sur la Volvo 850 break de BTCC. J'ai hésité à faire du BTCC pour être honnête. Aujourd'hui, j'ai hésité à faire du BTCC, mais je pense que je garde ça pour une prochaine. Graphique. Apply. Alors. Ça fait un peu trop. Ah, oh, c'était plutôt ça. J'ai confondu. C'est peut-être plus ça. C'est un rapport est trop court, mais du coup, ouais, j'ai peut-être le monter un petit peu. Hop, hop, et on va monter le niveau à 108%. On enlève les qualifications. On se met. J'étais 6ème avant de faire mon chrono. On va se mettre 6ème. Comment s'est passé 6 heures des spoils? C'est bien passé. On finit 3ème. On est sur le podium. On est content. On a fait une bonne course. On n'a pas toujours été chanceux, mais au final, ça va. Et on a maximisé ce qu'on pouvait faire. Du coup, on est content. Et on a passé une bonne soirée. Bueno. Là, par contre, on part direct pour la course. Hein. Là, il n'y a pas... Ça déconne plus, là. Bon. Faut que je calcule, oui. 5, 6, 7, ok. Normalement, il devrait avoir 8 tours. 8 tours. Ouais. Allez, on va mettre 60. Non, mais faut pas hésiter. Faut pas hésiter à venir me voir. Hein. Y a pas de. Y a pas de souci avec ça. On en est où là? Ah, j'ai mon truc qui a freeze. Mon affichage Twitch qui a freeze. Pourquoi tu as freeze? Reviens. Monsieur, revenez donc. Allez! Revenez, monsieur, s'il vous plaît. Alors, vérification d'usage, hein, évidemment. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Oui, oui. Je vérifie. Ça n'a pas l'air trop mal. Ouais, attends 2 secondes, toi. Voilà. Ok. Alors, mon truc Twitch. Fonctionne-tu? Non, tu m'as l'air d'avoir bloqué. C'est un peu dommage, parce que j'aimais bien avoir les retours directement là. Alors, s'il te plaît, peut-être. Ah non, ah, c'est emmerdant. Mais dommage. Tant pis. Tant pis, je ferai sans.
Load. Du coup, 67 litres, ouais, pour 9 tours. Je peux pas bouger les rapports de boîte. Je suis coincé comme ça. On peut pas toucher à ça. Ouais. Bon, bah, du coup, bah, on passe à la course, hein, une demi-heure de course. Une demi-heure de course ici au Mans. Ah, ça m'emmerde ça, que c'est pas. J'ai un petit. Comment je. Ah, j'ai pas les termes. Un petit affichage, un petit graphique qui est en haut à gauche de mon écran où je peux voir les derniers commentaires et le statut, ma voix qui parle, tout ça. Enfin, le son, le niveau, la hauteur de ma voix sur le logiciel et tout. Peut-être que là, c'est revenu. Non. C'est pas revenu. Bon, c'est pas. Tant pis. Du coup, je vais faire ça. Allez, c'est parti pour la course! Oh, par contre, je vais pas faire le tour de chauffe. On voulait pas. Hein. Allez! J'ai été un peu trop prudent sur le départ. Oh! Je pense qu'ils attendaient pas à me voir. Je pense qu'ils attendaient pas à me voir sur la gauche. Enfin, à m'avoir en tout cas.
putain de merde. Putain, mais c'est pas vrai. Fais chier. C'est nerveux, hein. Oh, j'ai chié complet.
Ouf. C'est un carnage. Bon, mais Van Buren, il m'a refait le cul là derrière. Ouais, ben oui. Putain, il y en a à tous les tours. Hein.
Je suis une merde. Ah, je suis une merde. Toujours prendre l'intérieur dans ces cas-là, putain.
Allez, foutez-vous en l'air devant. Cinquième avec le meilleur tour en course. Ah dommage, putain, fait chier. Dommage l'accrochage à la deuxième chicane des Hunaudière. Ça aurait été bien de se battre pour la victoire, mais c'est pas grave. Au moins, il y aura eu du pestacle, quoi. Beaucoup de nervosité. Ah. Ah, voilà. J'ai ce que vous avez marqué, hein, j'arrive. Hein. Ouais. Bon, ça aurait été quand même une course animée avec un peu de tension finalement. Ouais, finalement, cinquième au final, oui, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Ouais, parti, on est parti 6, on est tombé ouais, 18ème, on a passé à la 18ème. On était au-delà de la 20ème place. Ouais, dommage. Dommage, j'aurais aimé un meilleur résultat. La Rittenvord s'est fait avoir aussi alors qu'il était premier. Du coup, c'est Théo Edgerton
qui gagne. Je sais pas qui c'est. C'est pas Melrose qui m'a foutu dehors. Je ne suis pas sûr. Matthew Graham, peut-être. Je crois que c'était Matthew Graham qui m'a mis dehors. Ouais, dommage. Enfin bon. Voilà, on va revenir au menu. Ah. On va rebasculer ça dans le format qu'il faut avant que j'oublie. Voilà. Confirmé. Oui. Voilà, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi cette course. Ouais, la sixième était trop courte, mais on peut pas bouger les rapports de boîte. C'est vu que après, c'est les limites du jeu justement. Vu que j'ai mis niveau au-dessus de 100%, leur vitesse de pointe va être meilleure, même s'ils ont le même rapport de boîte que moi. Mais voilà, c'est l'IA, c'est comme ça. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de course comme ça. Ça vous a plu, de toute façon, j'en referai, je pense, dans pas trop longtemps. Donc voilà, merci à vous. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir été là. À la prochaine sur Twitch. Sinon, à bientôt sur, à très vite sur YouTube et sur les autres réseaux sociaux avec un S. Et je vous fais des bisous.